Pour nous comprendre, il faut nous suivre où? Sur WhatsApp, Telegram, YouTube, Twitter, Instagram. Hello, hello, chers partenaires, comment allez-vous? Chers passionnés de crypto-monnaie, c'est également un plaisir pour moi de venir ce soir vous partager ce projet. Il s'agit d'un token, d'un jeton NFT qui vient de sortir. Donc, je vais partager cela avec vous. Vous allez devoir prendre cela en charge tout à l'heure après avoir écouté intégralement cette vidéo. Donc, le conseil que je donne toujours aux uns aux autres, donc pour comprendre mieux un projet, vous devez suivre les vidéos jusqu'à la fin. Parce que jusqu'aujourd'hui, les gens font toujours des erreurs. Donc, ils se mettent à écouter. Après, ils arrêtent. Ils nous posent encore plein de questions. Et pourtant, tout est expliqué dans la vidéo. Donc, là, je suis sur Trust Wallet. Vous m'avez vu, je suis connecté. Là, je viens de coller le lien d'affiliation que j'ai reçu ici. Là, j'ai collé là-bas. Là, maintenant, je vais valider cela. Ça fait, j'ai validé. Une fois que j'ai validé, c'est un token qui est adossé à la Binance Smart Chain. Je viens ici, je change. Voilà. Je change, vous avez vu comment c'est changé. Oh, c'est fait. C'est maintenant Binance Smart Chain. Voilà. Voici les drops alors. Les drops. Les drops NFT, NFT, les drops NFT. Le projet sera listé sur PancakeSwap à partir du 11 septembre. Donc, retenez bien cette date-ci. Le projet sera listé sur PancakeSwap, c'est-à-dire sera échangeable à partir du 11 septembre. Si déjà avant le 11 septembre, vous avez stacké un bon nombre de, une bonne quantité, vous allez pouvoir convertir cela à une autre monnaie. C'est intéressant. Donc, là, ici, il nous reste 38 jours. Et il est vraiment important d'intégrer cela et de commencer à réclamer dès maintenant parce que les gens attendent toujours des minutes après, ils oublient tout ça autre. Donc, c'est mieux lorsque vous recevez un projet, vous passez à l'action directement que de garder. Ça ne sert à rien de le garder. Et parce que quand vous le gardez, c'est susceptible de les oublier. Donc, je vais vous montrer comment réclamer ces tokens-là. Là, je suis à connecter sur ma page. Je vais maintenant cliquer ici sur Claim. Claim Airdrop ou Purchase. Voilà, ça va. Là, je vais me connecter maintenant. Je suis connecté. Avec le contrat intelligent. Ouf, apparemment, il a l'air d'être un peu cher. Il a l'air d'être un peu cher. Je vais attendre. Je clique plutôt sur Airdrop parce que Purchase, là, c'est acheté. Je clique plutôt sur Airdrop pour réclamer 500 000. 500 000 NFT, parce que moi je veux cela gratuitement, donc c'est fait. Je clique dessus, je passe à l'action. On passe maintenant au paiement. Vous voyez que le paiement est ici. Comme c'est uniquement les frais de réseau. Une fois que je suis d'accord, je viens juste approuver, c'est fini. Là c'est déjà payé. Là je rentre rapidement, je cherche mon adresse BSCAN. Ici que je copie, vous voyez le truc en attente de paiement, donc bientôt ça va être payé. Je rentre là sur la plateforme, ici je connecte encore pour venir coller mon lien d'affiliation afin de partager cela. Je colle mon lien d'affiliation ici, c'est fait. Je génère le lien. Ça va, c'est fait. Mon lien a été généré. Je vais juste copier maintenant le lien. Il y a un problème. Ils disent que c'est pas valide. Pourquoi? Attends, on va voir cela. Je copie l'adresse du contrat. Fait maintenant, je rentre dans sur portefeuille. Je vais cliquer ici. C'est fait. Voilà, ça maintient. Je vais juste cliquer là sur coller. Voilà, une fois que je clique sur coller, j'ai toutes les informations. Nom, symbole et décimal.
Ok, une fois c'est fait, je vais me terminer, cliquer ici. Voilà, je m'attends, c'est fait. Cliquez sur terminer. On va voir mes 500 NFT qui viennent d'être payés. Voilà, mes 500 NFT qui viennent d'être payés. Ok, ça va. Donc, je vais aller prendre mon lien d'affiliation. Voilà, ça m'attend ici. Je copie. Je rentre là. Un drop, je viens de coller mon lien d'affiliation là. Une fois que c'est fait, je vais générer le lien. C'est fait. Je copie maintenant pour aller à ce niveau. On va chercher. C'est fait. Voici ça ici. On va faire une capture d'écran.